Heureuse, elle est, Muriel Aouré, de revenir à Abidjan après sa brillante prestation au championnat du monde d'athlétisme à Sopot, en Pologne. La vice-championne du monde en salle de 60 mètres a été accueillie par ses parents, les responsables de la Fédération ivoirienne d'athlétisme et dans la faveur par les travailleurs de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et par de nombreux fans. Mais face au journaliste, Muriel Aouré n'a pu s'empêcher d'avouer sa déception d'avoir raté de peu la médaille d'or. En tout cas, j'ai tout fait. Cette saison, je me suis entraînée dur, j'ai tout fait et j'étais juste... C'était dans les 3 derniers mètres que j'ai perdu la course. Donc je pense que c'est encore l'expérience. Donc je me remets à l'entraînement et je pense que si j'étais... dans la ligne 4, juste à côté d'elle. Comme j'étais à Birmingham, ça allait être différent, mais comme on était un peu séparés, c'était dur de sentir la personne à côté. Donc, c'est l'erreur que j'ai faite, mais j'ai vu ce que j'ai fait et je me remets au travail. Aux Ivoiriens, elle dit ceci. Merci pour le support et toutes les prières, je vous embrasse. Programme chargé pour la meilleure sprinteuse ivoirienne pendant son séjour d'une semaine à Abidjan. Durant son séjour, elle va, répondre à une invitation de la première dame pour ce week-end. Elle va parrainer également une cérémonie, un cross féminin, dans le cadre de la participation de l'organisation des festivités de la femme. Muriel Aouré sera encore dans la capitale ivoirienne au mois d'avril pour prendre part au meeting Gabriel Tiako.